sign of kids on the street outside. When you walk into the room, you pull me closer, we start to move. And we're spinning with the stars above, and lift me up, maybe we're both love. Ooh, baby, do you know that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. No one I know could.
Pour le physicien Tom McDonough, les sagettes d'Escamilla doivent en effet être étudiées, mais par un entomologiste. Pour moi, c'est une combinaison de plusieurs phénomènes naturels. Ces sagettes ont 6 petites extensions et c'est précisément le nombre de pattes que possèdent les insectes. N'importe quel objet qui traverse les rayons du soleil est illuminé par l'arrière, ce qui produit un phénomène appelé diffraction. L'objet semble alors plus gros qu'il ne l'est en réalité. Mais Escamilla est sûr de lui. Il n'a pas pu se tromper parce qu'il filme avec une très grande vitesse d'obturation. C'est vrai que certains insectes ressemblent à des petites sagettes. Mais quand on filme au 1/10000, ce qui est mon cas, un insecte a la forme d'un insecte, un oiseau est un oiseau, et une sagette est une sagette. C'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi les sagettes apparaissent-elles floues, même avec une vitesse d'obturation de 1/10000? Selon Stephen Walton, professeur de physique et d'astronomie, c'est très simple. C'est un phénomène très connu. Il suffit de penser, par exemple, au sillage d'un avion qui, en réfractant la lumière, produit le même effet. Ce qu'on voit ici ressemble à ce qu'on appelle les turbulences tournantes, ces gaz qui s'échappent à l'arrière d'un avion en tournoyant dans le tunnel aérodynamique. Emboîtant le pas à Escamilla, d'autres enquêteurs ont également filmé des sagettes. Mais leur nature exacte est toujours source de controverses. Depuis la première apparition des ovnis, les hommes ont cherché à percer leurs secrets et à identifier leurs origines. Pourtant, malgré plus d'un demi-siècle d'enquêtes et de débats animés, la preuve indiscutable de leur existence nous échappe encore. Or, d'après certaines personnes, cette preuve se trouverait dans les archives de l'agence spatiale américaine, la NASA. La NASA est une agence énorme. Un membre du personnel peut très bien connaître la vérité alors qu'un autre l'ignore. Au début des années 90, la NASA diffusait toutes ses émissions sur les télévisions du monde entier, en direct et 24 heures sur 24. On y voyait le lancement des fusées, les pas des astronautes dans l'espace ou bien de banales opérations de maintenance. David Cereda, écrivain, affirme que les films de la NASA regorgent de centaines d'ovnis. Des globes palpitants, des objets qui volent en formation, d'autres objets qui semblent défier les lois de la physique et qui tout à coup s'évanouissent comme s'ils provenaient d'une autre dimension. En regardant les cassettes des missions de la NASA, on voit que les ovnis parcourent toutes les dimensions et qu'ils peuvent aller à la vitesse de la lumière puisqu'ils sont composés de lumière. Mais c'est en regardant l'émission du 25 février 1996 que Cereda a découvert la preuve la plus impressionnante. Il s'agissait de la 75e mission d'une navette, la mission STS-75. On peut voir une attache du satellite arrimée à la fusée Columbia se casser accidentellement et s'éloigner. En quelques minutes, elle est entourée de douzaines d'objets non identifiés. Les ovnis se pressent autour d'elle, alors qu'elle se trouve maintenant à plus de 100 km de la navette. Au cours d'une autre mission, la STS-82, en février 1997, des astronautes s'aventurent à l'extérieur de la navette. Lors d'une communication radio que David Cereda juge suspecte, les contrôleurs de la mission semblent vouloir alerter les astronautes sur la présence d'un objet non identifié flottant près d'eux. On dirait qu'il y a quelque chose devant vous, Mark. Vous pouvez vérifier? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oubliez. Voulant savoir comment la NASA explique la présence de l'OVNI, Cereda contacte l'agence spatiale afin de la questionner au sujet des enregistrements vidéo. C'est le professeur Joseph Nuss qui dirige le service d'astrochimie de la NASA. Pour lui, les anomalies rencontrées ce jour-là n'étaient pas des ovnis, mais tout simplement des cristaux de glace et de la poussière que les moteurs de la navette ont laissé échapper. Cereda conteste cette version en faisant remarquer qu'on voit très bien plusieurs objets passer derrière la tache. Ils pensaient que c'était de l'eau, mais ces objets défiaient toutes les lois de la physique identifiées jusque-là. Donc la NASA reconnaissait qu'il y avait des phénomènes inexpliqués dans l'espace. Si ce sont des cristaux de glace, dit-il, en comparaison de l'attache du satellite qui se trouve assez éloignée, ces cristaux seraient véritablement énormes. Les arguments de la NASA n'étaient pas cohérents. En faisant des essais d'optique avec une caméra numérique,
J'ai tout de suite compris que quelque chose de bizarre se passait lors de ces missions, et j'ai voulu en savoir plus. En 1999, Cereda dépose une requête au nom de la liberté d'information afin d'obtenir de la documentation sur les missions de la navette spatiale. Les dossiers qu'on lui communique ont été censurés et il n'y apprend rien de nouveau. Et peu après, la NASA arrête les retransmissions télévisées en direct de l'espace. Quelqu'un à la NASA connaît la vérité. Et je pense qu'elle doit être divulguée. Les scientifiques qui ont étudié les enregistrements vidéo ne sont pas convaincus. À leurs yeux, il n'y a aucune preuve de l'existence d'OVNI et ils ne leur trouvent rien d'inhabituel. Les gens ne se rendent pas compte, mais les navettes spatiales sont sales. Elles produisent des quantités de gaz, de liquide. Il est très fréquent que des objets volent autour d'une navette. De plus, les étranges mouvements que l'on voit sur ces images peuvent s'expliquer par les propulseurs de fusées en feu. Et soudain, une particule va prendre une direction inattendue. Des personnes non informées pourraient croire que ce sont des ovnis. Mais je n'ai jamais entendu parler d'astronautes à bord d'une navette qui auraient rencontré des objets non identifiés. Ce qui peut déstabiliser même le plus averti des astronautes, c'est le manque de repères dans l'espace. On ne peut pas estimer les distances comme on est habitué à le faire sur Terre. Et même sur Terre, on se laisse parfois abuser en voyant un objet plus loin qu'il ne l'est vraiment. Donc ces objets qu'on voit sur les vidéos peuvent en fait être très près de la navette. Mais Cereda n'est pas le seul à penser que le gouvernement américain cache la vérité. Récemment, d'autres voix se sont jointes à la sienne pour demander la révélation complète des informations. Nous sommes ici pour dévoiler la vérité sur un sujet qui a été ridiculisé, dont on a douté et qu'on a trop souvent nié depuis au moins 50 ans. Les hommes et les femmes présents sur cette estrade peuvent prouver et prouveront que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En mai 2001, Stephen Greer, médecin urgentiste, s'est reconverti dans la recherche sur les ovnis et a initié le projet de révélation, un lobby destiné à faire pression sur le gouvernement pour qu'il dévoile au public ce qu'il sait sur les ovnis. On a une confirmation par radar aérien de certains de ces signalements. On peut voir la couronne de déchargement. Ils ont commencé à tourner en cercle et puis ils ont disparu. Ce matin-là, on a perdu 6 à 8 armes. Les ovnis ont été vus près des silos et les missiles ont été désactivés. Stephen Greer a réussi à réunir près de 500 personnes. La plupart sont des militaires à la retraite ou des membres de la CIA, des contrôleurs aériens ou encore des professionnels de l'aviation, qui affirment avoir assisté à un phénomène non identifié. Ils sont prêts à témoigner sous serment devant le Congrès. Beaucoup sont convaincus qu'il est impossible de trouver une explication d'origine terrestre au phénomène qu'ils ont vu. Apparemment, une grande partie de la population américaine est d'accord avec eux. D'après un récent sondage, 49% avouent croire que les extraterrestres nous rendent visite sur Terre. Pourtant, les scientifiques qui étudient les étoiles sont d'avis contraire. Ils reconnaissent que l'intelligence peut être répandue dans tout l'univers, mais la probabilité que ces formes d'intelligence vivante viennent sur Terre est infime. Je pense qu'il existe une vie cosmique. Sinon, je ne serais pas là. On ne fait pas ce métier si on n'y croit pas. Si on avait la moindre preuve, des milliers de chercheurs universitaires se pencheraient sur le problème. Or, il n'y en a aucun. La découverte d'une forme d'intelligence extraterrestre pourrait bien être le bouleversement du monde le plus extraordinaire qu'il nous serait donné de vivre. Et c'est tout à fait possible. Tout ce que nous savons au sujet de la vie sur Terre indique que la vie est non seulement possible ailleurs, mais qu'elle peut s'épanouir si les conditions s'y prêtent. Reste à trouver des preuves formelles. Et à l'ère de la technologie numérique, ça risque d'être plus difficile que jamais. Les récentes superproductions nous montrent qu'il est possible de créer n'importe quelle image hyper réaliste pour un film ou une série télé. Et j'ai peur d'être arrivé à un point où, tant que je ne serrerai pas la main d'un extraterrestre, je continuerai à nier qu'ils existent et qu'ils nous rendent visite. C'est très bizarre.
Here you go. Damn, this thing's too tight. Essa luz era uma luz forte, intensa, mesmo forte, mas que não encandeava absolutamente nada. Olhando um pouco mais para a minha esquerda, eu reparo que está um grupo de quatro seres. E vi uma, duas, três, quatro, eu acho que foram quatro. Engraçado que todos eles se apresentavam da mesma forma, como se tivessem um uniforme, um fato integral completamente branco, da cabeça aos pés, tipo robô, e estavam ali a conferenciar. As dimensões deles seriam dimensões realmente fora do comum, fora do normal. E notava-se perfeitamente, em termos de morfologia, dos quatro, havia uma que se salientava perfeitamente nas ancas, no desenvolvimento das ancas. Via-se que era um ser feminino. Morfologicamente, não havia quaisquer dúvidas. De um momento para o outro, deslocaram-se, fizeram uma deslocação para o interior da floresta, cada um dirigindo-se para o seu lugar, que parecia que estava previamente definido. Andavam de uma forma muito estranha, muito lentamente, como se não houvesse gravidade. Como se estivessem a andar em cima de algodão. Mas sempre com uma intenção fundamental, que era olharem para o chão e iam buscando coisas que recolhiam do chão. E depois de andarem, comecei a recolher amostras, alguns dados que se encontravam no solo, regressavam exatamente ao mesmo local e aí permaneciam novamente a mostrar o que tinham e a conversarem algo sobre o tipo de recolha que estavam a fazer. Depois destas incursões, eles colocam-se na nave e dirigem-se na perpendicular à nossa tenda, e fizeram este trajeto diversas vezes, mas sempre só até à perpendicular da nossa tenda,
por cima da areia, dava a sensação que era por cima da areia, e voltavam ao mesmo ponto onde tinha, estava parada inicialmente a nave. Fizeram isto diversas vezes, mas nunca passaram, e por incrível que pareça, nunca passaram a perpendicular da nossa tenda. Querendo mostrar-nos, eventualmente, que tinham conhecimento da nossa presença ali. Quando voltaram para trás, pararam novamente, voltaram a sair e fizeram novamente o mesmo tipo de incursões. Quando foram para dentro da nave, houve luzes que começaram a apagar. Vê-se a nave a começar a subir. E de um momento para o outro, apagam-se as luzes quase que repentinamente. Há como de uma explosão e eu deixo de ver a nave. Isto ocorreu durante muito tempo. Toda esta situação foi uma situação que não foi de segundos. Tudo isto até ao fim foi para cima de uma hora. Não foi nenhum sonho, não foi nenhum pesadelo. Não tínhamos bebido nada. Aconteceu tal como nós estamos a dizê-lo. Foi uma apatia que eu senti e ela sentiu, que não sei se terá sido provocado. Essa terá sido provocada por eles, ou então terá sido uma apatia natural nossa. Medo foi sentimento que eu não senti absolutamente nada. Não pensei em nada, aliás, eu fiquei absorvido por toda aquela situação. Com o objetivo de encontrarem explicações para o estranho fenómeno que tinham testemunhado, Aníbal e Filomena contactaram os especialistas do CETEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência, que desde logo o investigaram. O caso foi comunicado pela própria testemunha para um dos investigadores do caso, logo após os acontecimentos, e nós arranjamos uma equipa que se deslocou ao local, portanto, passado uma semana, sensivelmente. Primeiro tentamos estimar mais ou menos as distâncias e verificamos que tinha que ser a uma distância relativamente elevada do ponto de onde eles estavam para o ponto onde eles indicavam. Tinha que ser qualquer coisa no mínimo à volta de 500, 600 metros. No local não conseguimos observar nada de anormal, e foi relativamente curto, uma zona não devia passar ali muita gente, mas não havia qualquer marca no local. Acabamos por encontrar um conjunto de informações, informações estas que não saem da luz, do movimento. Claude Mauger, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Que d'abord, il est très difficile de donner un avis compétent lorsqu'on a peu d'informations, ce qui est le cas. Je crois que madame est assez prudente dans ses affirmations, donc il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance. Mais il y a tout un tas de choses dans le ciel, que ce soit des engins artificiels, hypothèse qu'elle a évoquée, ou bien peut-être des phénomènes naturels. Ouais. Après, il n'y avait pas d'orage ce soir-là, donc visiblement, il ne peut pas y avoir la foudre. Dans ce cas-là, ça paraît pas exclu définitivement, parce qu'on n'est absolument jamais certain. Vous pensez aux météorites ou des choses comme ça, ou... Une rentrée de météorites, ça paraît difficile. Non. Excusez ma naïveté, excusez. Oui. Alors, Pierre Van Denove, expliquez-nous, parce que vous êtes correspondant du Parisien Libéré en Seine-et-Marne, donc vous l'avez bien vu, c'est vous qui avez ramené d'ailleurs la photo qu'on voyait à l'écran à l'instant. Ça fait 30 ans que vous recueillez des témoignages, mais on dit toujours d'abord que les journalistes ont tendance à transformer, et les spécialistes et les scientifiques n'aiment pas trop les témoignages de journalistes sur ces genres d'ovnis, parce qu'en règle générale, on nous accuse de déformer les propos et de déformer la réalité de ce qui s'est passé. Vous êtes sur le terrain depuis 30 ans. Vous avez vu pas mal de choses, vous avez recueilli pas mal de témoignages. Comment ça s'est passé en juillet? En juin. D'abord, je tiens à préciser que l'engin ou la forme qu'a vu Mme Villeneuve, c'était 6 mois avant. Mais dans le site, c'est-à-dire... C'est un petit peu le triangle des Bermudes, Marseille. Il se passe des choses extraordinaires, enfin, entre guillemets. Il se passe extraordinaire depuis 30 ans dans
dans un périmètre d'un kilomètre peut-être. Alors ça c'est extrêmement peut-être troublant. Scientifiquement, parce que comme par hasard en Belgique, là on assiste depuis 6 mois à 700 personnes qui ont vu de leurs yeux vus, c'est oui. ce qu'elles disent en tous les cas, des objets non identifiés. En Union soviétique, là aussi, c'est tout d'un coup, on en trouve pendant un an. Dans le nord de l'Oural, qui s'appelle Pern, et depuis des années, ça fait plus de 10 ans, il se passe des phénomènes bizarres. Alors, les gens qui s'occupent d'ufologie là-bas disent, on pense que c'est une base extraterrestre. Ben, c'est leur explication. Mais on ne veut pas savoir, parce qu'il y a des boules brillantes qui apparaissent dans le ciel, qui disparaissent. Alors, ça a été photographié, et toutes les photographies sont analysées par le KGB. Donc, on ne peut pas dire elles ont été truquées. C'est des experts qui sont venus là, qui sont passés plusieurs jours. Il y a des traces au sol aussi. Et les photographies sont analysées par les laboratoires. Hay una polémica por esto. Algunos hablan de un misil y otros tienen la tesis de que es un ovni. La secuencia muestra una sorpresa adicional que provocó que expertos aseguraran que el accidente se produjo luego que un ovni o un misil rozara levemente contra una de las alas del caza. En esta imagen se aprecia como un objeto alargado pasa por debajo de la aeronave en dirección contraria y a una velocidad similar, lo cual, según los expertos, pudo haber causado una alteración de la carga aerodinámica que provocó que los pilotos perdieran el control. Aunque algunos expertos aseguran que se trata de un misil tierra-aire, para otros no cabe duda que se trata de un tipo de ovni conocido como tabaco, que pasó inadvertidamente sobre el lugar. En esta otra imagen, cuando ya el avión viene en franca picada, otro objeto similar pasa cerca tuyo, en la misma dirección y con la misma velocidad del primero, aumentando el misterio sobre su origen. Por ahora, los dos pilotos que sobrevivieron al eyectarse del avión son los únicos que pueden aclarar la verdad sobre si hubo ovnis en el cielo ucraniano ese día. Versión que parece confirmarse ante la decisión de sus superiores de separarlos totalmente luego que se conoció el nuevo video del accidente. Чего только не встретишь на любимой работе, в Перми возможны инопланетяне, убедительные со своей точки зрения доказательства существования внепланетного разума представил пермяк Сергей, ему случайно удалось снять и летающую тарелку, и даже представителя иной цивилизации. Доказательства он представил нам по телефону. Сергей, добрый вечер, скажите, это реальные фотографии? Здравствуйте, Павел. Рассказывать особенно нечего. Специально снимок я не делал, работу фотографировал, находился на работе, фотографировал, так скажем, свою непосредственную работу. Pour le physicien Tom McDonough, les sagettes d'Escamilla doivent en effet être étudiées, mais par un entomologiste. Pour moi, c'est une combinaison de plusieurs phénomènes naturels. Ces sagettes ont 6 petites extensions et c'est précisément le nombre de pattes que possèdent les insectes. N'importe quel objet qui traverse les rayons du soleil est illuminé par l'arrière, ce qui produit un phénomène appelé diffraction. L'objet semble alors plus gros qu'il ne l'est en réalité. Mais Escamilla est sûr de lui. Il n'a pas pu se tromper parce qu'il filme avec une très grande vitesse d'obturation. C'est vrai que certains insectes ressemblent à des petites sagettes. Mais quand on filme au 1/10, ce qui est mon cas, un insecte a la forme d'un insecte, un oiseau est un oiseau et une sagette est une sagette. C'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi les sagettes apparaissent-elles floues même avec une vitesse d'obturation de 1/10?
Selon Stephen Walton, professeur de physique et d'astronomie, c'est très simple. C'est un phénomène très connu. Il suffit de penser, par exemple, au sillage d'un avion qui, en réfractant la lumière, produit le même effet. Ce qu'on voit ici ressemble à ce qu'on appelle les turbulences tournantes. Ces gaz qui s'échappent à l'arrière d'un avion en tournoyant dans le tunnel aérodynamique. Emboîtant le pas à Escamilla, d'autres enquêteurs ont également filmé des sagettes. Mais leur nature exacte est toujours source de controverses. Depuis la première apparition des ovnis, les hommes ont cherché à percer leurs secrets et à identifier leurs origines. Pourtant, malgré plus d'un demi-siècle d'enquêtes et de débats animés, la preuve indiscutable de leur existence nous échappe encore. Or, d'après certaines personnes, cette preuve se trouverait dans les archives de l'agence spatiale américaine, la NASA. La NASA est une agence énorme. Un membre du personnel peut très bien connaître la vérité alors qu'un autre l'ignore. Au début des années 90, la NASA diffusait toutes ses émissions sur les télévisions du monde entier, en direct et 24 heures sur 24. On y voyait le lancement des fusées, les pas des astronautes dans l'espace ou bien de banales opérations de maintenance. David Cereda, écrivain, affirme que les films de la NASA regorgent de centaines d'ovnis, des globes palpitants, des objets qui volent en formation, d'autres objets qui semblent défier les lois de la physique et qui tout à coup s'évanouissent comme s'ils provenaient d'une autre dimension. En regardant les cassettes des missions de la NASA, on voit que les ovnis parcourent toutes les dimensions et qu'ils peuvent aller à la vitesse de la lumière puisqu'ils sont composés de lumière. Mais c'est en regardant l'émission du 25 février 1996 que Cereda a découvert la preuve la plus impressionnante. Il s'agissait de la 75e mission d'une navette, la mission STS-75. On peut voir une attache du satellite arrimée à la fusée Columbia se casser accidentellement et s'éloigner. En quelques minutes, elle est entourée de douzaines d'objets non identifiés. Les ovnis se pressent autour d'elle, alors qu'elle se trouve maintenant à plus de 100 km de la navette. Au cours d'une autre mission, la STS-82, en février 1997, des astronautes s'aventurent à l'extérieur de la navette. Lors d'une communication radio que David Cereda juge suspecte, les contrôleurs de la mission semblent vouloir alerter les astronautes sur la présence d'un objet non identifié flottant près d'eux. On dirait qu'il y a quelque chose devant vous, Mark. Vous pouvez vérifier ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oubliez. Voulant savoir comment la NASA explique la présence de l'OVNI, Cereda contacte l'agence spatiale afin de la questionner au sujet des enregistrements vidéo. C'est le professeur Joseph Nuss qui dirige le service d'astrochimie de la NASA. Pour lui, les anomalies rencontrées ce jour-là n'étaient pas des ovnis, mais tout simplement des cristaux de glace et de la poussière que les moteurs de la navette ont laissé échapper. Cereda conteste cette version en faisant remarquer qu'on voit très bien plusieurs objets passer derrière la tache. Ils pensaient que c'était de l'eau, mais ces objets défiaient toutes les lois de la physique identifiées jusque-là. Donc la NASA reconnaissait qu'il y avait des phénomènes inexpliqués dans l'espace. Si ce sont des cristaux de glace, dit-il, en comparaison de l'attache du satellite qui se trouve assez éloigné, ces cristaux seraient véritablement énormes. Les arguments de la NASA n'étaient pas cohérents. En faisant des essais d'optique avec une caméra numérique, j'ai tout de suite compris que quelque chose de bizarre se passait lors de ces missions, et j'ai voulu en savoir plus. En 1999, Cereda dépose une requête au nom de la liberté d'information afin d'obtenir de la documentation sur les missions de la navette spatiale. Les dossiers qu'on lui communique ont été censurés et il n'y apprend rien de nouveau. Et peu après, la NASA arrête les retransmissions télévisées en direct de l'espace. Quelqu'un à la NASA connaît la vérité, et je pense qu'elle doit être divulguée. Les scientifiques qui ont étudié les enregistrements vidéo ne sont pas convaincus. À leurs yeux, il n'y a aucune preuve de l'existence d'OVNI et ils ne leur trouvent rien d'inhabituel.
Most people don't realize it, but the space shuttles are dirty. Les gens ne se rendent pas compte, mais les navettes spatiales sont sales. Elles produisent des quantités de gaz, de liquide. Il est très fréquent que des objets volent autour d'une navette. De plus, les étranges mouvements que l'on voit sur ces images peuvent s'expliquer par les propulseurs de fusées en feu. Et soudain, une particule va prendre une direction inattendue. Des personnes non informées pourraient croire que ce sont des ovnis. Mais je n'ai jamais entendu parler d'astronautes à bord d'une navette qui auraient rencontré des objets non identifiés. Ce qui peut déstabiliser même le plus averti des astronautes, c'est le manque de repères dans l'espace. On ne peut pas estimer les distances comme on est habitué à le faire sur Terre. Et même sur Terre, on se laisse parfois abuser en voyant un objet plus loin qu'il ne l'est vraiment. Donc ces objets qu'on voit sur les vidéos peuvent en fait être très près de la navette. Mais Sereda n'est pas le seul à penser que le gouvernement américain cache la vérité. Récemment, d'autres voix se sont jointes à la sienne pour demander la révélation complète des informations. Nous sommes ici pour dévoiler la vérité sur un sujet qui a été ridiculisé, dont on a douté et qu'on a trop souvent nié depuis au moins 50 ans. Les hommes et les femmes présents sur cette estrade peuvent prouver et prouveront que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En mai 2001, Stephen Greer, médecin urgentiste, s'est reconverti dans la recherche sur les ovnis et a initié le projet de révélation, un lobby destiné à faire pression sur le gouvernement pour qu'il dévoile au public ce qu'il sait sur les ovnis. On a une confirmation par radar aérien de certains de ces signalements. On peut voir la couronne de déchargement. Ils ont commencé à tourner en cercle et puis ils ont disparu. Ce matin-là, on a perdu 6 à 8 armes. Les ovnis ont été vus près des silos et les missiles ont été désactivés. Stephen Greer a réussi à réunir près de 500 personnes. La plupart sont des militaires à la retraite ou des membres de la CIA, des contrôleurs aériens ou encore des professionnels de l'aviation, qui affirment avoir assisté à un phénomène non identifié. Ils sont prêts à témoigner sous serment devant le Congrès. Beaucoup sont convaincus qu'il est impossible de trouver une explication d'origine terrestre au phénomène qu'ils ont vu. Apparemment, une grande partie de la population américaine est d'accord avec eux. D'après un récent sondage, 49%